Des médecins haïtiens à l'étranger pour un entretien à la radio Télé-Solidarité pour le mois de l'histoire des Noirs. Bonjour, docteur Pierre-Louis. Bonjour, frère Victor, et bonjour, et téléspectateurs. Docteur Pierre-Louis, voudriez-vous vous présenter brièvement aux téléspectateurs et téléspectatrices de la radio Télé-Solidarité? Ben oui, bien sûr. Bonjour encore à tout le monde. Je suis le docteur Serge Pierre-Louis. Je suis neurologue et en pratique à Chicago. Et je suis également président de l'Association des médecins haïtiens et à l'étranger. Bon, voudriez-vous nous parler de la communauté haïtienne de Chicago et ses défis? Oui, la communauté haïtienne de Chicago n'est pas aussi grande que celle de New York et de Miami, par exemple. C'est une communauté qui est plus petite. Deuxièmement, et la communauté n'est pas réunie dans un espace bien confiné. Donc, on trouve les Haïtiens un peu partout, ce qui rend les choses un peu plus difficiles. Mais cependant, il y a quand même un petit groupe d'Haïtiens qui se réunit de manière régulière
une fête, un anniversaire, l'un des anniversaires des jours fériés, par exemple, en Haïti, on rencontre ce groupe-là qui vraiment est le moteur de la vie et dans la communauté haïtienne de Chicago. Mais quelle est la signification du mois de l'histoire des Noirs pour vous? Bon, le mois des Noirs est très important parce qu'il faut bien qu'il y ait un forum où les Noirs puissent discuter de leur passé, de leur contribution dans l'histoire du monde. Donc, c'est un effort qui est concentré pendant le mois de février et je crois que c'est l'opportunité pour tous les Noirs venant de différents continents et mais habitant aux États-Unis et pour pouvoir se réunir et partager leurs connaissances et de même que et transmettre et leur histoire et aux générations à venir. Mais quelles sont vos joies et autres comme un médecin noir ou bien un médecin haïtien qui travaille à Chicago? Et quelles sont mes... Et vos joies et autres. Mes joies. Oh oui, et autres. Bon, comme médecin, la plus grande joie, bien entendu, c'est de pouvoir aider les malades. C'est ça ma profession. Donc, c'est toujours ça la joie de pouvoir... approcher un malade, essayer de voir la nature du problème et puis apporter un traitement. Et quand le traitement réussit, c'est la plus grande joie. La deuxième joie, c'est que nous avons des étudiants en médecine, de même que des internes et résidents qui travaillent avec nous. Et c'est une très grande joie de transmettre nos connaissances et à ces jeunes-là. Et à combien s'élève le nombre de médecins haïtiens qui exercent leur profession à Chicago? Il est difficile d'avoir un nombre exact parce qu'il n'y a pas un registre qui vraiment tient compte de ce genre de détails. Et si je devrais deviner, je dirais qu'il y a plusieurs douzaines de médecins haïtiens. Nous ne les connaissons pas tous parce que ce ne sont pas tous les médecins qui essaient de se réunir dans la communauté. Mais chaque jour, nous apprenons l'existence de nouveaux médecins qui sont dans la zone de Chicago, dans l'État d'Illinois. Et nous avons tout près de nous et des médecins haïtiens qui travaillent dans l'État d'Indiana, de même que dans l'Ohio et dans le Michigan et le Wisconsin. Donc, quand on considère tous ces États voisins et dans le Midwest, il y a des douzaines de médecins haïtiens qui pratiquent dans la zone. Parlez-nous de votre relation avec les jeunes de la communauté haïtienne à Chicago. Nous avons des relations avec les jeunes à travers plusieurs organisations haïtiennes qui fonctionnent dans la communauté de Chicago, la communauté haïtienne. Et chaque organisation fait un effort spécial pour attirer les jeunes. Par exemple, de notre côté, nous avons une association qui est en train de célébrer la vie du fondateur de la ville de Chicago, M. Jean-Baptiste Pointe-du-Sable. Et à travers cette organisation, nous attirons beaucoup de jeunes et nous travaillons avec eux. Et le deuxième volet, c'est que dans l'Association des médecins haïtiens à l'étranger, quand nous faisons des foires de santé et dans la ville de Chicago, nous essayons toujours d'inviter les étudiants en médecine, de même que les résidents en training, pour qu'ils viennent travailler avec nous dans la communauté haïtienne. Et comment... Le regret des points du sable continue à inspirer la communauté noire de Chicago. Et Jean-Baptiste Pointe du Sable est vraiment quelqu'un qui tient de la légende, puisque on nous dit qu'il est né à Saint-Marc et qu'il est venu dans le Midwest, qu'il s'est marié avec une Indienne à l'époque et qu'il était pratiquement devenu un chef indien lui-même. Et à
ce mariage. Et il a été il a eu beaucoup de succès dans son business, dans ses affaires. Et il a été le premier vraiment à commencer des affaires dans la région que maintenant nous appelons Chicago. Donc c'est un monsieur qui a été extraordinaire dans ce qu'il a fait, dans sa vie même, dans sa personnalité, d'après ce que nous savons de lui. Donc jusqu'à présent à Chicago, la ville de Chicago, de même que les Noirs et les Haïtiens à Chicago, tire une fierté de la vie de M. Toussaint. Bon, parlez-nous un peu de votre travail comme le président de l'Association des médecins haïtiens à l'étranger. Oui, c'est un travail qui a beaucoup de défis, puisque l'Association des médecins haïtiens à l'étranger existe depuis 45 ans et contient plusieurs chapitres à travers les États-Unis et le Canada. Et nous avons des contacts avec l'Europe et nous avons une association sœur en Haïti. Donc, c'est vraiment une organisation multinationale et par conséquent, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour essayer de maintenir le groupe et de manière cohérente. Et en même temps, essayer de définir quelles sont les priorités dans ce que nous faisons à l'étranger, de même que nos rapports avec les médecins et les problèmes de santé en Haïti. Mais quelles sont les priorités des médecins haïtiens à l'étranger pour l'année 2017? Et nos priorités sont d'abord, bien entendu, de pouvoir soutenir nos membres. Et comme vous savez, le milieu de santé aux États-Unis est constamment en évolution. Et en ce qui a trait à la pratique des professionnels de santé aux États-Unis. Et à l'instant où nous parlons maintenant, dans les années à venir, il va y avoir de grands changements dans la façon de délivrer des soins de santé aux États-Unis. Et nous ne savons pas encore quelles seront toutes les répercussions. Et le deuxième aspect de ce que nous faisons, et deuxième priorité, c'est pour nous de savoir quels sont les problèmes de santé qui sont en train d'affecter les communautés haïtiennes à l'étranger. Donc, il est important pour nous de savoir, par exemple, et quand nous regardons l'hypertension artérielle et le diabète, de même que les accidents cérébrovasculaires, qui sont des problèmes très communs aux États-Unis. Et c'est important pour nous de savoir les communautés haïtiennes, est-ce qu'elles sont en train de partager ces mêmes problèmes et est-ce qu'ils sont en train d'adresser ces problèmes et de manière sérieuse. Et notre troisième priorité, bien entendu, c'est les problèmes de santé en Haïti et comment est-ce que nous pouvons aider à résoudre ces problèmes, bien que nous vivons à l'étranger. Ce sont des problèmes des différentes épidémies. Vous avez entendu parler du Zika, vous avez entendu parler de l'épidémie de choléra et d'autres problèmes chroniques qui affectent la santé des Haïtiens en Haïti. Et c'est une priorité pour nous. Et en même temps, nous voulons savoir quelles sont les structures qui sont en place en Haïti pour résoudre ces problèmes de santé. Et comment les médecins haïtiens à l'étranger utilisent-ils leur prestigieuse position pour faire avancer l'unité au sein de la communauté haïtienne de la diaspora? Il y a différentes activités qui nous permettent d'atteindre ce but. Et d'abord, puisque nous sommes organisés en chapitres, chaque chapitre réunit les différents membres au niveau local et c'est ainsi qu'ils partagent leur connaissance des problèmes locaux, problèmes de santé et problèmes de santé dans la communauté haïtienne locale. Et ils ont également des activités professionnelles et au point de vue local. Et l'autre aspect, c'est que nous avons un congrès annuel où nous réunissons tous les membres et de l'association dans un endroit bien spécifique pendant une semaine. Et là, nous discutons des problèmes de santé
à l'étranger que nous confrontons, et de même que les problèmes de santé en Haïti. Et docteur, bienvenue, nous allons continuer à l'école. Oui, mais bien sûr, c'est la maman. Bon, docteur, bien, lui, que, bon, nous très très contents de gagner pour moi, histoire noyau. Bon, parce que réellement, que médecin haïtien, que nous connaissons un peu partout, je vous dis, que bon, je crois que dans la ville de New York, je crois que les haïtiens sont plus parmi nous et qui travaillent dans la médecine. Bon, est-ce que vous pouvez parler, nous, tout d'abord, de communauté haïtienne qui, dans Chicago, hein, que bon, c'est ça, et c'est l'aime dit, pour parler de lui, que nous avons connu à peu près combien de temps, communauté ça gagne dans Chicago. L'aime que qui pique des problèmes, nous gagnons les outils avec défi tout, n'a rencontré ou bien n'a fait face comme communauté. Oui, et il y a un peu de problèmes que nous gagnons dans Chicago, ta communauté dit, et avant, c'est que les difficiles pour nous qu'un contact avec tout haïtien qui est dans la zone Chicago, parce que nous pas vraiment et la même côté pagé on est leader Haïti. Et par exemple, et pagé en Flatbush et la Chicago. Donc, nous avons un groupe haïtien qui est en nord, un groupe haïtien qui est en sud. Et puis là, nous tout avons essayé ouais qui j'en nous kakembe et tout ensemble. Et c'est pas toujours facile. Donc, c'est un plus gros défi. En somme, il y a des jeunes haïtiens qui ont fait étudier et qui ont fait maîtrise. Et il y a des gens qui sont intéressés dans ce genre de problème. Ça, qui ont essayé d'étudier et la communauté haïtienne qui est en Chicago. Donc, nous espérons là, dès qu'on finit, on a bien plus d'informations sur ces combien haïtiens qui sont en Chicago, c'est qui ça a fait. Et c'est qui Jean que vous célébrez qui est Dieu. Donc, tout le bagage, ça, nous avons bien plus d'informations sur vous. Mais et qui est-ce que vous avez dit de jeunesse haïtienne qui est à Chicago? De jeunes haïtiens. Est-ce que vous allez à l'école? Est-ce que réellement que vous avez plus de qui voulait venir en docteur Pierre lui? Oui, jeunesse haïtienne à Chicago et vous avez plus de et ça que nous. Et yo très intéressé là et apprendre comme on dit on en contact avec un paquet d'étudiants et qui dans zone là et nous essayer supporter yo et nous essayer encadrer yo tout. Par exemple, il y a une organisation yo haïtien qui dans Chicago qui chaque fois qu'on un jour férié, par exemple bataille vêtière et jour du drapeau, Jean-Louis Sayo qui toujours invite les jeunes à venir parler. Et là, c'est des jeunes haïtiens qui fêtent aux États-Unis. Donc, il est bon pour nous demander de venir parler de Kilti, papa, grand-maman. Donc, c'est une langue que nous aimons et contact avec. Mais je crois que la jeunesse haïtienne qui est dans Chicago a peut-être un petit problème dans un sens pour les reconnaître. Et qu'il dit par an, parce que nous pas vraiment, nous pas bien en quartier qui a tout restaurant haïtien, qui a musée haïtien, qui a Jean de Baïsaïo. Donc, nous faut nous faire plus d'efforts pour nous capables qu'il y ait des jeunes ensemble et puis pour nous bailler aux connaissances que nous gagnons des portes qu'il dit par an. Mais est-ce que quand plus là de l'école qui est dans l'université? Oui. On est en pile là d'ailleurs, qui est majorité de jeunes que nous-mêmes nous travaillons avec, c'est justement des étudiants qui sont à l'université. Donc, un bon groupe qui est déjà là dans l'université. Mais est-ce que nous avons l'association professionnelle de Chicago et l'association haïtienne? Et oui, consulat haïtien qui est à Chicago, il y a une liste. La website, soit la website, ou après on liste qu'il y a à peu près une bonne douzaine d'organisations. Alors, ce n'est pas tout, peut-être, qui fonctionnait complètement, et puis il y a un PIPO, il y a un PPT, mais il y a une bonne douzaine qui est là, à Chicago. Une bonne douzaine qui est là.
Bon, docteur Pierre, est-ce que vous recevez du bulletin noir et sous recevoir lit, est-ce que vous lit et sous le lit et qui j'en vois? Oui, moi je vois régulièrement et je pense que c'est un travail formidable parce que nous avons même qu'on est, et pas seulement ça qui a passé Chicago, et nous avons même qu'on est bon professionnel haïtien qui est aux États-Unis et qui est en Boston, Chicago, et New York, Miami. Nous avons même qu'on est qui ça a fait, qui moun yo yé, qui ça a pensé. Et vous pouvez que groupe 1 travaille pour faire côté que vous invitez vous venez parler, puis vous êtes capable d'échanger idées et avec vous. Ce sont des très important. Comme ça, nous connaissons qui l'autre monde qui est intéressé. Et peut-être qu'il y en a d'ailleurs qui est intéressé la même bagaille que nous-mêmes dans Chicago, nous intéressés. Et comme ça, ce sont des gens pour nous capables de commencer à travailler ensemble. Bon, mais que, je connais que chaque année, l'association médecin a tout bon congrès, que année ça, côté congrès ça a fait, et côté congrès ça a fait, et que l'État bon, bon, mieux t'a connu, l'a vu qui date tout. Oui, année ça, le congrès a fait en Haïti. Et l'a fait du 21 au 30 juillet 2017, c'est toujours la dernière semaine, et mois juillet. Et nous vraiment invité tout le monde. Là-dedans, il y a bien entendu, ce n'est pas seulement le docteur, nous avons des infirmières, nous avons d'autres personnes qui travaillent dans le domaine de santé, qui fait partie des organisations. Non? Et nous invitons toutes, et il y a des fois même, il y a des gens qui viennent dans le congrès, qui n'ont pas rien pour être en santé du tout. Ils viennent avec des amis, ils passent une semaine avec nous, ils assistent à l'autre activité sociale et que nous gagnons. Même si que y a pas docteur ou bien y a pas de travail dans le domaine de santé. Donc, nous allons mettre des informations très bientôt, détails, dans le website, nous, qui c'est amhe.org, amhe.org, capable tout détail et sur les congrès. Bon, la posant les questions sur Haïti, mais qui contribution que nos côtés, bon, et à faculté de médecine Haïti, ou bien département de santé Haïti, qui contribution que vraiment que nos côtés et comme association? Nous travaillons très proche avec MSPP, département de santé publique en Haïti, parce que nous avons un accord avec un officiel qui existait depuis près de 10 ou 15 ans, côté que et toutes les fois qu'il y a besoin, si pour nous, l'ayons domaine bien déterminé, il fait nous connaître et si nous sommes capables d'aider, nous aider. Et donc, nous avons un rapport qui est très cordial et avec eux. Et de même, tout, nous faisons plusieurs voyages en Haïti chaque année, côté que nous avons des centres de santé et nous bâillons des conférences, nous faisons formation locale et nous avons certains malades, certains cas spéciaux que. Qui est docteur qui dans la zone, peut-être, et carrément, et on concourt, alors nous baillons concours ça. Et donc, rapport nous assez serré avec les différences entre l'hôpital général, côté que en pile dans nous, qui était entraîné dans la faculté de médecine et l'hôpital général, nous avons un rapport avec l'hôpital général, de même avec l'hôpital Justinien, qui est en cap haïtien, et de même que l'hôpital Saint-Antoine, qui est en Jérémie. Alors, il y a l'autre groupe, l'envoi, qui a l'autre côté tout. Mais c'est trois gros côtés, ça, que nous travaillons plus proche avec. Qui fait que nous parlons que sous mon message pour la communauté haïtienne ici et pour le peuple d'Haïti avant que nous allions. Oui, et alors, un message, c'est que, moi, ouais, que mon tendance, l'haïtien qui a vécu dans la diaspora, quel que soit le domaine que vous avez là-dedans, que nous tout avons essayé de mettre ensemble, former une série de fédérations. Et je pense que c'est très important. C'est un travail qui est difficile, puisque nous n'avons pas l'habitude de travailler ensemble, de mettre ensemble, mais moi, il faut un fait pour rien. Et je pense que tout Haïtien, quel que soit le domaine que vous avez, il faut essayer de faire ça, essayer de vous payer. Et puis, pour vous exiger, pas capable de travailler avec l'autre groupe dans toute ville qui est aux États-Unis. En fin de compte, c'est diaspora et haïtien qui est vraiment
qui pour constituer et moteur pour développement économique en Haïti. Donc ça c'est le plus gros message que Dakabay pour Haïtiens qui vivent à l'étranger. Alors pour Haïtiens qui en Haïti, je pense que c'est très important tout pour eux-mêmes ils commencent à garder Haïti tant qu'on petit que ils gagnent, que ils ont tout responsable de lui. Et ils sont responsables de développement, ils sont responsables de bien-être. Et pour connaître eux-mêmes, tout qui peut travailler avec Haïtiens qui l'ont droit, pour mettre ça ensemble, pour voir qui peut faire payer et avancer. Et qui fait que docteur Pierre-Louis, que nous avons un bon merci pour entretien ça. Et je dois rappeler pour les téléspectateurs et téléspectatrices de la radio Télé-Solidarité, docteur Saint-Pierre-Louis est le président de l'Association des médecins haïtiens à l'étranger. Et il est parmi les grands ambassadeurs de la communauté haïtienne et de la diaspora. Encore une fois, un grand merci et bonne chance dans votre profession. Mais plutôt merci encore de ce côté invité, hein? De même que Monseigneur Sansari, nous féliciter nous tous les deux avec l'équipe noire pour beaucoup de travail que nous avons fait. Et toutes les fois que tu as besoin de nous parler, pas aucun problème, vous allez me faire me connaître. C'est toujours un plaisir pour moi pour me parler avec les téléspectateurs. Bon, en tout cas, nous voulons ajouter tout. Docteur Pierre-Louis, c'était un médecin haïtien qui était aidé nous dans le concours jeune de l'année 2016. Côté que Stéphane est un jeune du Japon, c'est le même qui est jeune de l'année, que Docteur Pierre-Louis, c'est parmi les premiers monde qui était envoyé en contribution pour Monseigneur Sansari pour concours ça. Encore une fois, Docteur Pierre-Louis, que nous remercions. Et non seulement pour la contribution, ça, et nous très très content que nous te gagnons pour le mois de l'histoire des Noirs. Haïti, maman, moi, ou même qui grand monde, gain 200 ans, ou qui sous bâton, qui ouais tout ça. Nous pas jambouè pour quitter bataille pour raser chaîne qui t'aime dans pied petit tout. Jodi à nous mette nous à genoux pour nous mander tant plus grâce pour maman nous. Jodi à nous lever bras nous en l'air pour nous relever tant plus grâce pour Haïti. Miséricorde, Dieu du ciel, miséricorde pour maman nous. Miséricorde, n'a pas demandé. Miséricorde pour merci pour tes bonnes ancêtres, nous qui te fait souffler vent liberté. Pour quitter bataille, aujourd'hui à nous marche avec tête en haut. Pour nous là, nous tout tapons mes têtes ensemble. Pour nous relayer à certains pour maman nous. Aujourd'hui à nous frapper bien nous à terre. Pour nous relayer à certains pour Haïti. Miséricorde perpétuelle, miséricorde pour Haïti. la prière.
kap mando pado pou tout sa nou fè ou ki pa bon. L'ambiance soufflé pou nou rassemble. Que nous sortis l'ambiance pour nous regarder bon nous système rassembler. L'autre pays qui a marché l'ambiance pour retourner fait pays a du bien pour nous remettre les tout ça nous doit l'ambiance souffle pour nous rassembler c'est bon pays vacances lié pour nous non l'ambiance c'est Haïti nous pas touristes c'est citoyen pays à nous l'ambiance on met la main forte L'ambiance paysan, pays à fil déchiqueté, on a le replanté. L'ambiance souffle pour nous rassembler. Ingénieur, boss maçon. L'ambiance souffle pour nous rassembler. Charpentier, électricien. L'ambiance souffle pour nous rassembler. On a le rebâti. Commerçant, businessman, si machon, gros machon. Pays a fini pour nous rassembler. Mes amis, allons bel pays. Vous n'avez quitté le mourir comme ça. Ça fait mal. L'ambiance souffle.